Sympa. Ça aurait bonne figure. En attendant, le voilà le leader, Michael Pichon, qui domine le championnat, mais également cette manche du Grand Prix. Regardez comme il est facile. Ah, c'est vraiment Michael Pichon, il fait une course impressionnante. Il est parti devant. Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube des Mix2K. Aujourd'hui, on est là pour un essai entre guillemets un petit peu particulier puisque on est monté dans la machine à remonter dans le temps avec cette Honda de 1993, 125 Honda, qui est la réplique exacte de celle de Michael Pichon, qui nous fait le plaisir d'être là. C'est quand même assez incroyable. Il rentre encore dans les fringues de l'époque. Ça, c'est quand même aussi une vraie performance. Et on est très content de pouvoir tester cette moto et surtout de la faire tester à Michael aussi, à qui ça va certainement rappeler quelques souvenirs. On est là grâce à Peyo, qui donc a pris sur lui de refaire cette moto. Pourquoi ? Pourquoi t'as voulu refaire une moto à l'identique de celle de Michael en 1993 ? Mais écoute, j'ai commencé la moto sur le tard en 93. Et en 93, voilà, moi j'étais déjà un petit peu piqué Honda, d'après ce que j'avais vu en photo. Et j'avais vu cette célèbre photo de Mika Simi Valley là. Et voilà, donc elle est restée dans ma chambre un moment. Cette moto, elle me faisait vraiment envie. Et moi, j'ai attendu plus de 20 ans pour arriver à me refaire la même. Aujourd'hui, c'est un peu un rêve de gamin qui se réalise. Et donc, toi, Mika, ça fait combien de temps que tu n'as pas roulé sur une 125 ? Et est-ce que cette moto, elle correspond à ce dont tu te souviens à l'époque ? Bah oui, écoute, moi déjà, ouais, ça fait très longtemps. Ça fait quasiment depuis l'époque que je n'ai pas roulé en 125. J'avais roulé une fois il y a une dizaine d'années, quelques tours avec une 125 Honda aussi. Mais ouais, c'était une 94-95. Maintenant, ouais, depuis 93, depuis ces années-là, 93, 94, 95, qui étaient mes dernières années en 125, j'ai très peu roulé dans cette catégorie. Après, c'est vrai que quand on regarde la moto, les souvenirs sont là. 93, une bonne année en mondial 125, avec une cinquième place, un titre de vice-champion élite derrière Tefli. C'est l'année où tu as vraiment explosé au plus haut niveau. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une belle année, une moto qui craquait fort. On a vu que PO a réussi à la refaire quasiment à l'identique. On voit qu'il y a la ligne PC, tout est parfait, elle est belle, elle est neuve quasiment. Ça va être avec beaucoup de plaisir qu'on va pouvoir l'essayer, essayer de comparer aussi l'évolution, ça va être intéressant. Et puis surtout te retourner sur le deux temps comme ça, parce que je pense qu'on a tous un petit peu de nostalgie. Le deux temps, ça reste quand même la belle époque, moi je trouve, notre jeunesse. Dans le sud-ouest, on va pouvoir se régaler, se faire plaisir à essayer 725. Eh bien, pour moi, c'est un honneur d'essayer une moto qui est de 2 ans mon aîné. Donc on va voir ce que ça donne par rapport à ce que j'ai eu l'habitude d'essayer. On vous donne rendez-vous tout à l'heure et on va aller voir sur le terrain ce que ça donne. On est de retour, donc après cette journée complète d'essai avec cette 125 de 1993, assez mythique pour pas mal d'entre nous, notamment Michael. On va commencer par toi, un vrai voyage dans le temps ou pas ? T'as retrouvé des sensations de l'époque ? Carrément, j'ai été surpris, je me suis régalé, la moto craquait vraiment bien, le châssis, suspension, une piste vraiment agréable pour essayer la machine, bonne vitesse de passage. Bon bah évidemment, il a fallu se refaire un peu à la technique 125, hein, du régime, taper dans le moteur un maximum, hein. Désolé Théo, mais on a été obligé de lui en mettre
un peu dedans aujourd'hui, mais franchement, le top. Je me suis régalé. J'espère qu'on aura l'occasion de le refaire. Revenir presque 30 ans en arrière, ça faisait vraiment du bien. Cette moto, donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'était une référence à l'époque. Pour 90% des pilotes, on va dire, il y a quand même de quoi à la fois se faire plaisir et aussi travailler sa technique, parce que bon, on va pas se mentir, en haut ça marche très bien, en bas c'est un petit peu creux. Donc il faut quand même vraiment travailler ses virages, laisser bien rouler. C'est un super apprentissage et c'est une moto hyper agréable. Même aujourd'hui, bah, on va demander l'avis justement d'un garçon qui était pas né quand cette moto elle est sortie. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi qui as jamais connu cette génération de motos ? Bien, moi je me suis bien amusé aujourd'hui. Par exemple, l'essai de la gaz-gaz qu'on avait pu faire en fin d'année dernière, donc là c'est vraiment quelque chose de différent, tant par le cadre que le caractère moteur. Quand on atterrit, effectivement, c'est pas pareil avec le diamètre de fourche qui est inférieur. Ça fait partie du fun, je trouve, et je comprends pourquoi tant de personnes font du vintage, parce que c'est la partie fun, c'est la partie aussi est-ce que la moto va tenir, va pas tenir. Je me suis dit pourquoi pas se lancer dans le vintage si on veut commencer. Alors après, c'est vrai que pour trouver les pièces, c'est de plus en plus compliqué. Soit on a de la pièce origine, et si on trouve pas, après voilà. On a plus beaucoup de pièces disponibles en adaptable. Il y a des sociétés comme M46, eux, ils se spécialisent, donc c'est une personne dans le lot qui a une imprimante 3D et qui fait tout ce qui est LED de radiateur, guide chaîne et protège pignon. L'idée, c'est de pouvoir continuer à rouler le plus longtemps possible avec des super motos comme ça. Vous avez vécu une très belle époque, les gars. On va donner le mot de la fin à notre ami Peyo, hein, qui a gentiment prêté la moto, qui l'a vu un petit peu souffrir toute la journée dans les mains de Michael comme de Zach, hein, qui a montré de quoi la moto était capable. Ça t'a plu ou t'as eu peur pour ta moto ? Écoute, non, peur non, parce que bon, j'ai vu qu'ils ont tous fait attention, donc c'était nickel. Moi, j'ai surtout pris beaucoup de plaisir à vous voir rouler, quoi, surtout à Mika, voilà, de le revoir rouler. Parce que ça faisait un moment que je ne le voyais plus. Un grand plaisir de vous voir faire des chronos aussi, ça a été super sympa. Et bah merci à vous de nous avoir suivis donc, dans cette aventure sur notre chaîne YouTube et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.